Bon, on se souvient tous pourquoi on a signé. Ouais. Ouais. Le capitaine nous a dit, ce boulot, c'est pour sauver la culture. Sauf qu'il n'a jamais déclaré à aucun de nous quel était l'objectif à long terme, on est d'accord? Il a dit signe ici. Ouais, signe ici. Il a une grosse voix comme ça. Madel le fait bien. Signe ici. Bon, on dévie les gens là. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait rien de lui au final. Tout ça a l'air bien trop organisé. Qui vous dit qu'on n'agit pas contre la culture, justement? La littérature, aujourd'hui, c'est de la merde. On est forcément les gentils. On a joué un peu de terroriste quand même. Tu l'as dit toi-même, Kilk. On est là pour sauver la culture. C'est pour ça que je pense, et je le répète, que le capitaine nous cache des choses. Genre le but premier de toutes ces opérations. C'est pas seulement pour bouffer du culturel d'écrivain. Je sais pas, Orion, tu dois bien avoir plus d'infos que ça. C'est quand même toi notre lieutenant. Non. Comment ça, non? Tu sais pas ou... Tu veux pas dire? Non, je sais plus. J'ai relevé les lieux de nos dernières interventions. Là, là, là et là. Tu as collé des gommettes, Kilk? Mais rien n'est sorti de tout ça. Je fais fausse route. T'as fouillé dans ses affaires? Non. Pas encore. Pas encore ou pas eu l'idée? C'est quoi tout ça? La bibliothèque qu'il a dans son bureau. Que fout Twilight dans sa collection perso? Peut-être qu'il aime les vampires? Beaucoup. 2020, la culture est devenue une guerre ouverte. Dans la sphère littéraire, certains n'hésitent pas à franchir la ligne de la légalité. Trafic, assassinat, mafia. Face à cet effondrement civilisationnesque, il existe une police particulière. La Brigade du Livre. Parmi ses membres, un seul ose encore se dresser pour dégoter les perles et les joyaux de ce monde. Kilk. Le vampire fascine et terrifie en même temps, tellement qu'aujourd'hui toute une culture s'est développée autour de sa charismatique figure. Jusqu'à la soupe littéraire ou non qu'on nous sert à toutes les sauces. Le thème du vampire vaut-il encore le détour ou nous sort-il encore son sempiternel refrain? Aujourd'hui, nous nous pencherons avec avidité dans le coup de 4 bouquins qui eux aussi ont les dents longues. Et comme la dernière fois il n'y en avait pas, 2 BD sont parmi eux. On prête au mythe du vampire des origines d'Europe centrale, plus précisément des pays slaves, même si la figure de la créature qui, revenant des morts, erre parmi les vivants pour sucer leur sang ou toute autre énergie vitale, se retrouve dans toutes les mythologies comme la Lamia grecque, le Ramanga de Madagascar, le Nukekubi japonais ou la Goule perse. Bon, à la base, il y a souvent un lien avec des gosses qui veulent pas aller se coucher, et ces légendes passeraient presque pour des histoires de croque-mitaine. Cependant, quand les adultes eux-mêmes commencent à y croire, ça devient inquiétant. Au Moyen-Âge, des vieux cadavres sont retrouvés intacts et maculés de sang dans leur cercueil. On dit qu'ils se relèvent la nuit pour hanter leurs proches ou provoquer des morts en série. Ça commence en Grande-Bretagne au XIIe siècle, mais il faut attendre le XIVe siècle pour que la croyance devienne endémique. Elle touche alors la majorité de la Prusse orientale et se répand comme un nuage de lait dans une tasse de thé. On accuse même les vampires d'être à l'origine des épidémies de peste au siècle des Lumières, le XVIIIe. C'est dans un manuscrit de 1725 qu'on trouve le plus ancien terme de vampire. Même Voltaire et Rousseau ne pourront rien contre cette croyance à la peau dure. Dans la littérature, le thème du vampire apparaît à la même époque. D'abord dans des poèmes comme Der Vampir d'Ossenfelder ou Die Braut von Corinth de Goethe, côté germanique, The Vampire de Stab ou le Giaour de Lord Byron, côté anglais. Retenez bien sa tête, on va y revenir. Dans ces poèmes, notre animal est décrit comme un mort-vivant rendant visite à sa veuve lorsque la lune est claire, et c'est en 1819 qu'il va prendre toute sa dimension littéraire avec la nouvelle de Vampire de John Polidori. Tout est parti d'un défi entre potes, parmi lesquels se trouvait Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein pour l'occasion et propulsé ainsi la mode du roman gothique à travers toute l'Europe, pour vous dire le genre de défi. L'initiateur du défi est Lord Byron lui-même. Écrire une nouvelle mettant en scène un mort-vivant, le temps d'un après-midi pluvieux au bord du lac Léman. Ces gens s'ennuyaient, pour vous dire le genre de défi. Polidori était le secrétaire de Byron, et le Lord ayant déclaré forfait par manque d'inspiration, Polidori s'empara des notes et les retravailla pour en écrire la fameuse nouvelle. Ce qui causa quelques ennuis d'attribution par la suite, mais c'est pas là notre propos. Dans un premier temps, le vampire est considéré comme une créature pleine de dualité, s'opposant lui des forces humaines et animales, charme naturel et ruse machiavélique, charme qui est parfois très androgyne, à la fois féminin et masculin. Et dualité suprême, il est à la fois mort et vivant. C'est Bram Stoker qui, en 1897, fait du vampire, grâce à Dracula, un être démoniaque isolé du reste de la société moderne. Un monstre, une bête à abattre, mais en même temps un être damné malgré lui pour qui on devrait éprouver de la pitié. Il faut attendre 1967 pour qu'Anne Rice et son entretien avec un vampire établissent le vampire comme un être romantique, capable d'amour et de souffrance, vivant comme tous, mais caché au sein du commun des mortels.
En découle la figure moderne du vampire beau gosse, attendrissant et qui reluit comme une boule à facettes de discothèque au soleil. Et surtout végétarienne. Il n'y a que Richard Matheson avec son roman Je suis une légende, paru en 1954, qui réussit à aborder avec brio le thème du vampire par son côté scientifique. Et Christopher Moore avec Les Dents de l'Amour, par son côté humoristique et déjanté. Du coup, quand on enlève toutes les romances jeunes vierges, vampires ténébreux, les armées de chasseurs de vampires au grand cœur, les héros ados de Fullmetal Beatlit, qui, en passant, est une marque déposée, et les grands classiques déjà lus, que reste-t-il? Eh bien, pas grand-chose. À croire que le genre a du mal à se renouveler. Or, c'est faux! Aujourd'hui, l'univers littéraire du vampire, largement creusé par Anne Rice, tend à s'entrecroiser avec une autre forme de création, le jeu de rôle. Les joueurs et rôlistes, tant soit peu passionnés, connaissent le très célèbre jeu de rôle Vampire la Mascarade, sorti au tout début des années 90. Cet univers narratif interactif, qui fait aujourd'hui référence auprès des rôlistes occidentaux, a fini par influencer la sphère littéraire. On y parle de sectes secrètes, de clans vampiriques, de pouvoirs magiques et politiques, et tout cela se retrouve dans la petite sélection que je vous ai concoctée. Publié en deux tomes en 2013 et 2014, Le sang de Robespierre est un roman historique fantastique écrit par Alfred Boudry. Il raconte l'histoire de cinq vampires réveillés dans leur sommeil profond par un mystérieux et inquiétant poème qui, titillant leur curiosité, va les lancer dans une course contre la montre sur les routes de France et d'Allemagne en pleine période post-révolution française. Un complot se trame au sein même de la société vampirique menacée par une société beaucoup trop secrète. Boudry écrit avec un style précis et raffiné qui manque à beaucoup dans le monde littéraire. Pourtant, on se laisse facilement happer par son récit aux multiples énigmes et rebondissements. L'auteur possède en plus une réelle capacité à fixer son intrigue dans la réalité historique. Il utilise ce procédé de la fiction qui permet de raccrocher l'imaginaire à l'histoire avec un grand H, jusqu'à ce que nous, lecteurs, doutions que cette dernière ait pu se dérouler sans le premier. Et ce n'est pas pour déplaire. C'est un roman qui est pour le coup complètement à contre-courant de cette littérature de genre, ça le rend passionnant. Lettre aux ténèbres de Charlotte Bousquet, publiée en 2010 aux éditions Rivière Blanche, est aussi une perle du genre. Construit à la manière d'un roman épistolaire, il relate l'histoire passionnelle de deux vampires, Ambre et Lazzo. L'une disparaît, l'autre tente de la retrouver en parcourant les lettres qu'elle lui a destinées. Il devra tout tenter pour la retrouver et l'extraire des griffes d'un ennemi plus grand qu'eux. Pour le coup, nous renouons là avec le roman gothique plein de noirceur et de désespoir, mélangé au style romantique et plein de sentimentalité d'Anne Rice. Et ça marche! Le roman, assez court, reprend très bien le thème de la vengeance, après vie, mais aussi celui de l'espoir, bien humain, lui. BD enfin, avec American Vampire de Scott Snyder au scénario et Raphaël Albuquerque au dessin. T'en oublies un. Dis-le. Avec la participation de Stephen King au scénario. Wouhou. C'est une bombe publiée par Urban Comics en 2013 pour le premier tome. L'intrigue se déroule aux States, au 19e siècle. Le hors-la-loi Skinner Sweet tente de s'évader mais est mordu par un vampire venu d'Europe. Laissé pour mort, il revient à la vie et devient le premier vampire américain. Il est aussi plus puissant et plus rapide que ses prédécesseurs du vieux continent en accointance avec la pègre capitaliste. Un siècle plus tard, à Los Angeles, il mord à son tour une jeune femme, Pearl Jones, afin d'en faire le second vampire de sa nouvelle espèce capable de marcher sous le soleil. Scott Snyder redonne aux vampires ses lettres de noblesse en nous proposant une créature totalement maléfique. Skinner Sweet était déjà un tueur avant de mourir, aucune raison que ça change par la suite. Les personnages sont profonds, très bien construits, et le trait d'Albuquerque, rythmé et expressif, vient parfaire ce fabuleux dressage. On ne s'ennuie pas une minute, et American Vampire est bien parti pour être une référence du genre. Édité par Dargo en 2003, Rapace est une BD incontournable du genre. Elle fait l'objet d'une réédition en version intégrale. Jean Dufaux au scénario et Enrico Marini au dessin nous propulsent dans un avenir proche où les vampires ont pris le contrôle de notre société depuis qu'ils sont capables d'évoluer à la lumière du jour. Pourtant, lorsque les premiers symptômes de dégénérescence de la race apparaissent, une nouvelle menace pour les vampires semble apparaître. Des morts s'accumulent dans leurs rangs. Ignorant tout de leur existence, une flique, humaine, mène l'enquête à ses risques et périls. C'est une série sombre et sanglante que nous offrent ici Dufaux et Marini, dessinateurs en passant du cycle du scorpion. L'intrigue est influencée par une culture gothique et des touches d'existentialisme. Le trait est beau, charnu, appuyé par une colorisation maîtrisée. Le tout colle parfaitement à l'ambiance animale et érotique de cet univers. C'est une splendide série avec une véritable atmosphère dans laquelle on est plongé dès la première page. Foncez! Il y a des annotations sur toutes les pages de ce bouquin. Par exemple au début là, le nom de l'auteur est entouré et Stephanie est remplacée par Stéphanie. Sur celle de la dédicace, Has Never Been Finished a été remplacée par Never Been.
Il y a une note sur la page suivante. Titre exact du tome 2, Nav Moon. Il fait une fixette sur le mot Nav ? Pas lui. Ensuite, c'est marqué, c'est notre piste, celui-là. Et c'est signé d'une initiale M. C'est notre piste. Bonsoir, Marceline. Harlock, mais enfin! Je voulais revoir votre visage. Quelques secondes. Vous me manquez aussi, Harlock. Atrocement. Allons, mon ami. Refermez cette porte. Ils vont finir par nous repérer. On se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode du GIPL et dans un mois pour une nouvelle chronique. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vert et à partager cette vidéo sur vos réseaux préférés, ça nous fera plaisir. Allez, salut. À chaque abonnement, un coup de fouet. Oh ! Ah bah oui.